Le froid présent à Imola oblige la FIA à trouver une solution pour chauffer les pneus. La pluie et la fraîcheur ont accueilli la F1 pour son retour en Europe. Ça, c'est ballot quand même. Ah, Imola a accueilli le petit monde de la F1 avec un ciel gris ce jeudi, de la pluie et une température fraîche de 13 degrés seulement. D'autres précipitations sont prévues demain matin pour les Libourins et potentiellement pour la séance de qualif l'après-midi, tandis que la température devrait rester au même niveau. Wittich, qui officiera une nouvelle fois comme directeur de course de la FIA ce week-end, a ainsi déclaré que les compétiteurs seront autorisés à laisser les pneus dans les couvertures chauffantes à une température de maximum de 30 degrés cette nuit, afin de minimiser les problèmes causés par le froid. Ouais, donc franchement, ce week-end, c'est la pire journée, c'est le vendredi. Et samedi et dimanche, ça sera beau, a priori, il fera 19-20, même un peu plus le dimanche. Donc, bon, bah, c'est juste le vendredi qui sera un petit peu problématique pour les températures des pneus, visiblement. Voilà, à voir à tout à l'heure, donc, pour les essais libres, ce que ça va donner. Ciao, ciao.